Allez, on va débuter. Donc, renforcement musculaire, ce matin, vous avez besoin que d'une chose. Allez, deux choses. Première chose, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'1,5 litre. Très important, puisque vous allez l'utiliser comme un poids. Ça va? Donc, si vous n'avez pas de bouteille, je ne sais pas moi, une grosse brique de lait ou autre, on va faire quelques mouvements avec la bouteille. Ça va? Et ensuite, une serviette. Pour ceux qui sont un peu plus équipés, qui ont un tapis à la maison, récupérez votre tapis. On va bosser un peu tout, hein? Le haut du corps, le bas et le centre du corps. Et comme à chaque fois, ben, on s'invite dans votre salon. Règle de sécurité, vous me poussez tout, d'accord? Vous mettez l'espace pour pouvoir bien bouger. Allez, ce matin, je serai accompagnée. Hier, elle était en régie. Ce matin, j'ai dit, bon, la stagiaire, il va falloir que tu commences un peu à bouger, hein, parce que tu vas t'empâter derrière l'ordinateur. Donc, je vous demande, dans votre salon, d'applaudir avec moi, Fiona! Allez, on va faire transpirer un peu Fiona ce matin. Et bien sûr, qui m'accompagne, comme hier, notre coach, Anna! J'espère que vous applaudissez avec nous, hein? Ok, donc vous récupérez la bouteille d'eau, vous récupérez le tapis, on est d'accord, vous avez poussé les meubles. Anna, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont pris le chat, ils l'ont écarté. Voilà, hier ça a fait le buzz, hein, que j'ai mimé le chat. Voilà, donc le chat, vous l'écartez. Je rappelle que tout le monde peut participer, hein? Les conjoints, les conjointes, tout le monde peut venir faire le cours avec nous. On part sur une phase d'échauffement, renforcement musculaire et ensuite étirement. C'est bon pour tout le monde? On y va? Allez la team, fitness, c'est parti! Allez, on se place, fait largeur des hanches, on fléchit les jambes. Allez, on inspire, on monte les bras, on se grandit, on fait craquer tout ça. Relâchez sur le côté droit. Même chose de l'autre côté. Allez, relâchez, enroulez vos épaules, devant, avant et derrière. Et sur les épaules ici, petite rotation de buste. Sans bouger les hanches. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, si derrière elles font les fainéantes, que je puisse le voir. Hein. Anna? Ok, on place les bras le long du corps, inclinaison sur le côté. Même chose, hein, sans bouger les hanches. Allez, on continue, on va essayer de les chercher un peu plus bas. Arme sous les genoux. Voilà, imaginez que vous êtes plaqué entre deux murs. Hein. Ça y est, ça commence à se réveiller à la maison, ça commence à se réveiller dans le salon. Ok, mini squat, juste une petite flexion. Petite flexion, hanche en arrière. Talon, fesse. Ok, ici, juste un pas et un talon. Alors, si vous êtes à l'aise sur le mouvement, vous pouvez faire comme Annabelle et Fiona et placer vos bras. Hein. Allez, on fléchit et on ramène le talon au fessier. Ça y est, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. La France se réveille. Quoique nous sommes un peu international, hein. Hier nous avions des Belges. Et on nous a suivis jusqu'à Martinique hier. Donc si la Martinique est avec nous ce matin, salut la team! Ok, genou. Juste le même genou ici. Juste droit, centre du corps gainé. Si vous êtes à l'aise sur le mouvement, rajoutez les bras avec Fiona et Annabelle. En amenant le coude opposé à votre genou. Alors vous comprendrez que les chansons je les chante à yaourt. Hein. L'anglais, c'est pas pour moi. Ok, restez ici, squat. De temps, on vous fait un chat d'arrière et on monte. Donc comme je vous l'expliquais au début, on travaillera un peu tout, hein, renforcement musculaire généralisé pour ce matin. Du bas du corps, haut du corps, sans oublier le centre, nos abdos. Ok,
sur le prochain, on va rester en bas. Bloquez en bas. Posez les mains au sol et placez-vous en planche. Avancez avec les mains. Position de planche ici. Abdominé, grimpeur. Genou interné. Un genou et un autre. Un et deux. Un, continuez. Tenez bien vos abdominaux. Moi, ce qui est cool, c'est que je peux m'arrêter un peu et les faire travailler comme ça. Ça va chez toi dans le salon? Ouais, je vois qu'il y a plus de personnes qui est en train de suivre le cours. Allez les filles, hein, allez! Salut Clément! Oui, ce cours n'est pas réservé uniquement aux dames, aux messieurs, c'est pour tout le monde. Donc même les enfants peuvent le faire. 15 secondes. Alors, pense à bien souffler. Bien tenir son dos plat. Les derniers. Ok. Stop. Ramenez. Et revenez en position ici. Redressez-vous. Ça y est, commence à faire un peu chaud. Ok, juste avec moi ici. On ouvre, on fléchit, on remonte et on ramène. On fait ça. Droite et gauche alternée. Alors, on ouvre un peu plus large que le bassin, hein, pas trop large. Hein. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Donc même défi pour aujourd'hui, hein, ceux qui veulent m'envoyer une photo après la séance, je ferai un petit post en regroupant toutes les photos. Hier, il y a même le chien, le Emi, qui a fait des pompes chez la famille Soriano. Allez, encore. Les filles, c'est bon pour vous? Ouais. On peut accélérer? Allez, plus de rythme, plus rapide. Allez. Bas et remonte. Bas et remonte. L'objectif, attraper le corona sportif. Allez. Buste droit, bien en arrière. Ok, sur le prochain, on reste ouvert. Squat ici, large, en deçà. Nous allons placer les jambes plus larges que vos épaules. Les pointes de pied vers l'extérieur. On appelle ça aussi le squat sumo. Single. Allez, plus rapide. Allez, pour commencer à chauffer les muscles, on va rester en bas avec des petits rebonds. 3, 2, 1, et on remonte. 3, 2, 1, et on remonte. Allez, continuez l'exercice. Si ça commence déjà à chauffer chez toi, à ce moment-là, je donne l'option de descendre moins bas. Mais surtout, ne t'arrête pas. Reste dans le mouvement. Encore 15 secondes pour les 3 pulses. Apparemment, on a des problèmes de connexion sur ADR. La fille n'est pas arrivée, elle est arrivée. Petit message.
au maire, on fait Roger au boulot. Salut. 4, 3, 2, 1, relâchez. Wow. Allez, relâchez sur vous les jambes ici. Ok, c'était notre premier exercice, vous avez bien compris. La bise, cibler les jambes. Maintenant, on va un peu remonter et passer au travail du haut du corps. Rectement, travail du dos. Pour cela, vous aurez besoin de récupérer votre serviette que vous allez mettre au sol. Si vous êtes équipé de tapis comme nous, vous pourrez mettre les tapis. Fiona et Annabelle se mettront. Alors, moi, je mettrai pour que vous voyez bien l'exercice. Ok? Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment adapté à tout le monde. Donc, je donnerai l'option sur les genoux. Et par la suite, s'il y a des challengers ce matin avec moi, on pourra passer sur demi-pointe. Allez, je récupère ma serviette. Ok, les sportifs. On y va, position sur les genoux. On commencera ici, mais largeur de nos épaules. Les poignets sont en dessous des épaules. L'exercice est simple. Regardez, vous ouvrez d'un côté, vous descendez le buste proche du sol, vous remontez et vous revenez les mains parallèles ici pour alterner de l'autre côté. Allez, on y va les filles, c'est parti. On ouvre, pompe, on repousse et on revient de l'autre côté. Sur cet exercice, ce qui est important, c'est la position du dos. Pour cela, on gagne les abdos. Hein. Si c'est difficile pour toi, à la maison ou dans le salon, tu rapproches un peu plus les genoux, je te montre. Genoux plus rapprochés, et là tout le monde peut le faire. Ou sinon, pour les challengers qui en veulent un peu plus, on peut faire ce demi-point là. À condition de respecter la bonne position de notre dos. Allez, nous en compterons 4 derniers. Go. 4. Allez. Passer sur le ventre. Ok, nous passons maintenant au travail du dos. Posez les points de pied dans le sol et votre regard dans le sol. Soulevez le buste et on redescend. Haut et bas. Je regarde ici. Nos sportifs du matin sont bien positionnés sur le travail. Voyez, comme Annabelle et Fiona, vous me gardez les pointes de pied dans le sol, ok? Vous décollez les épaules et vous venez retoucher ici le buste au sol, d'accord? Pour éviter de tirer sur les cervicales, regardez, Annabelle et Fiona, elles gardent le regard dans le sol pour ne pas mettre de tension ici dans la nuque. Et bien sûr, pas d'apnée, hein? C'est pas encore l'été, ça sera pour la plage l'apnée, hein? On pense bien à respirer, c'est-à-dire souffler dans l'effort, donc à vous monter, et inspirer quand vous redescendez. Allez la team, on lâche rien, on y va. Corona sportif, on est là. Dernière option, placez les bras le long du corps si l'exercice est difficile pour le faciliter. Continuez, il en reste 8. Allez, 8. Ok, et roulez votre dos.
Et c'est là qu'on va commencer à récupérer notre matériel. Souvenez-vous, au début de la séance, je vous avais demandé de récupérer une bouteille d'un litre. Pas mal. Si vous avez des poids à la maison, les filles feront l'option avec poids. Mais comme le poids est ouvert à tout le monde, peut-être qu'il y en a qui débutent le sport avec nous et ça fait plaisir que ce soit votre premier coach, vous récupérez une grosse bouteille, d'accord? Nous allons travailler les petits muscles. Souvent on me dit, ah Justin, j'aimerais travailler ça, ça pendouille. Ok, on va travailler les triceps, c'est parti. Position ici, à genoux, vous pouvez aussi faire l'exercice debout. Ici, vous positionnez le pied devant et la bouteille dans l'autre main. Ça va? Si vous avez le pied gauche devant, vous avez la bouteille dans la main droite. Vous inclinez légèrement le buste vers l'avant. Ici, le coude un peu en arrière, extension. On allonge et on revient. On allonge et on revient. Faites bien attention, ce n'est que votre avant-bras qui bouge. Hein. Le biceps, lui, reste fixe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des bidons de 5 litres dans les mains. Bon, pour info, Anna et Fiona, elles ont pris des poids de 2,5. Ok, la team. Écoutez bien, on fait la même chose qu'avec les squats, 3 pulses, on reste à nu. 3, 2, 1 et on revient. Sans ouvrir l'épaule, hein. Vos deux épaules ici restent face au sol. Hein. 3, 2, 1 et on ramène. Hein. 3, 2, 1, continuez. C'est un plaisir de nous inviter chez vous dans votre salon. J'espère que vous avez préparé le café, les croissants après la séance. Hein. Moi, je vais essayer les croissants. Petit peu au chocolat. Ok, la team, écoutez bien, on finit rapide et il y en a 8. 8 rapides. 8, 7, 6. You can, baby. Écoutez bien, vous passez à genoux, extension avec les deux bras, en bas et on remonte. Vous attrapez votre poids ou votre bouteille avec les deux. Vous faites attention que la bouteille, le bouchon ne s'élève pas, sinon vous allez vous tremper. Allez, ici les coudes sont parallèles. Hein. Vous placez le mouvement en entier. Votre poids doit venir ici à la base de la nuque. Hein. Allez, on s'accroche, il reste 20 secondes avant l'arrêt. Go! Ça va les filles derrière? Nana, t'es toujours avec moi? Où t'es parti? Pulse en bas! Allez, tout petit rebond, regardez le poids, la bouteille derrière, des coups de parallèle, petit rebond. Allez, je les compte, les derniers. 8, 7, ne lâche pas, reste avec nous. 4, 3, 2, relâchez. D'abord, on a bien ressenti, mais là, on a fait un travail qu'on appelle un unilatéral. On a travaillé un seul côté hein, sur le premier exercice. Donc, du coup, on doit faire l'autre côté. Je vous laisse changer de jambe devant et surtout de bras. Hein. Ne me travaillez pas deux fois le même côté. Hein. Allez, on positionne le buste légèrement là, les épaules face au sol, le coude un peu en arrière. On y va, extension, c'est parti. Allonge et ramène. Allonge et ramène. Bon, ben ce confinement commence plutôt pas mal. Hein. Donc on vous retrouve à chaque fois. Hein. On a des cours le matin, des cours le soir. On publie tout sur notre page. On essayera de vous maintenir pas mal de directs. Mais en restant. Ça fait du bien de les voir travailler. Hein. Ça va les filles? Vous voyez, ils ont le sourire, c'est parfait. On vous apporte le sourire, le peps de bon matin. Et ce soir, pensez bien, ça sera un abdo fessier à 18h30. Je vois que Fiona est contente d'avoir pris un poids de 2,5. Ah, ça va. Allez, avec moi, encouragez Fio. Ah, allez, Fiona. Ah, allez, Fiona.
fait le même travail que de l'autre côté. 3 pulses, ça dure 3, 2, 1, et on ramène. 3, 2, 1, et on ramène. C'est là, hein, quand c'est difficile, il faut bien faire attention à sa position, à ne pas ouvrir l'épaule, hein, et à décider le travail dans nos petits muscles. Na 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 na. Peut-on avoir un sourire de la stagiaire? Ok. 8 rapides. Il y en a 8 derniers. 8. Na 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 na. Na 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 na. Vous avez le droit de chanter, hein? C'est 10h30. Les voisins, ils ont le droit de rien dire, hein? À genoux, extension nuque. Et derrière. Et on remonte ça. Vive le fitness! Youhou! On a trouvé la solution, hein, pour continuer le sport avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours. Hein. Allez! Bas et haut. Est-ce que vous pouvez me décrire la tête de Fiona derrière? Fiona, 15 secondes. Allez, dans votre salon, 15 secondes, go. Allez, je dis dans votre salon, mais peut-être qu'il y a un garage. Ou au bureau. Je les vois bien, les banquiers, là, derrière le bureau. Et stop. Ok. Relâchez. Étirez rapidement les triceps. Amenez le bras derrière, ici. Ok, changez de bras. Ok, si je fais le petit récapitulatif, on a travaillé le bas, on a travaillé ici le haut. Il nous manque quoi, les filles? Les abdos. Dernière partie, nous allons focaliser sur le renforcement du centre du corps. 3 exercices et on fera 2 tours. On a toujours besoin de notre tapis puisque nous allons passer sur le dos. C'est parti, je vous laisse vous placer sur le dos. Déroulez le dos ici sur votre tapis, ramenez les talons proches de vos fessiers de façon à bien coller les lombaires sur le tapis. Mais ici, derrière la tête, le travail relevé de buste et on redescend. On décolle les omoplates du tapis et on revient. Les mains sont là pour vous soutenir, en aucun cas pour tirer sur. Hein. C'est à la force de vos abdos que vous remontez. Allez, plus rapide, en haut et en bas. Donc bien sûr, moi je donne un rythme, hein, mais à la maison vous pouvez travailler sur votre rythme, hein, si vous y allez plus tranquille, n'hésitez pas à travailler à votre intensité. Allez, on souffle à l'effort et on expire. Allez, accélérez ça vite. On l'a joué. Continuez. Deuxième exercice, les épaules collées sur le tapis, pédalo, alternez une jambe et l'autre. Ok, les mains ici le long du corps, et comme je vous l'ai dit, toujours le bas du dos bien collé, hein, dans le sol, les épaules et les cervicales allongées. Hein. Option, si vous sentez que vous creusez votre dos, ou pour faciliter l'exercice, vous pouvez amener ici les mains, derrière, sur les fessiers, en bas du dos. Hein. Et option pour les challengers, si vous les ramenez un peu plus difficile cet exercice, vous allez amener ici les mains juste à côté de vos oreilles, en gardant les coudes parallèles. Ok, regardez bien la transition. Vous placez les mains en croix, jambes à 90 degrés. Et vers le fond. On travaille sur les deux épaules. Hein. Les mains sont là pour vous aider à repousser le sol. Exercice pour notre taille. Alors, si vous ne savez pas, ceci est un exercice de pilates. Il s'appelle le core squeeze. Ok, option, challenge.
la même chose de jambes allongées. Quand je dis option, vous avez le choix. Il reste 15 secondes. Alors, on va garder une respiration normale durant l'exercice. Et on reprend le premier exercice. Crunch. Haut et bas. Haut et bas. C'est là que vous dites, oh j'ai mal, oui. Mais c'est ici maintenant, sur la brûlure, que ça commence à être intéressant et que ça commence surtout à bosser. Hein? Donc, surtout, reste avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, prends-le à ton rythme s'il faut, ralentis. Hein? Allez, on passe bien à sa respiration, on souffle et on inspire. Et surtout, pas tirer sur les cervicales. Allez dans le salon, on lâche rien. Juju! Est-ce que Paul le fait avec toi? Juju de venir avec nous jeudi, hein, malheureusement, Juju. Ce n'est que partie remise, ne t'inquiète pas. Allez, c'est crunch, 15 secondes, et on passera ensuite au pédalo. Est-ce que vous voulez que je lâche le poids sur Anna? Oui, t'as fait un. Allez, mon vieux, on lâche les lignes. On gagne tout ça. Vous vous imaginez à la plage et vous faites du pédalo. Imaginez le soleil. Une eau bleue turquoise. Ça y est, je crois qu'on a perdu Anna. Elle est aux Seychelles. Un mojito, j'ai de dire. Avec modération. Ok, il y a un rotin en face, rétro-pédalage en arrière. Wow! N'oubliez pas l'option, on place ici les mains à côté des oreilles pour un peu plus difficile. Les amis, le dernier exercice de ce tour, rallongé sur le côté. Allez, bras droit, on va faire le oui, bienvenue Anna. Toujours vers la caméra, vers l'objectif. Allez, on continue, on garde l'exercice. Inspire, souffle quand tu repousses. Allez, les challengers à la maison de jambes tendues, go! Les derniers, 15 secondes, go! Tu l'as déjà dit ça, non? Allez, le petit plus pour Anna et pour Fiona, stop! Gainage planche. Hop là. On se place ici, sur les avant-bras. Les coudes sous les épaules. Gainage statique. On descend les fesses sur les lignes du dos et on gagne bien les abdos. Pour vous motiver, c'est le dernier effort que je vous demande ce matin. Allez, entier. Option, pose les genoux au sol. On y va là, là. On tape sur le côté. On tape et on ramène. On tape et on ramène. Je vous montre l'option. Sur les genoux, même chose. Allez, 20 secondes. Non, tu ne peux pas la chier si près du but. Accroche-toi, finis avec nous. On est une équipe, hein. On commence ensemble, on finit ensemble. 4, 3, 2, 1. Tirez, amenez les fesses sur les talons.
ici, passez sur le ventre. Hop là. Allongez-vous. Voilà. Même ici, plus large que vos épaules. Repoussez ici le buste. Tu t'affiches. Chaîne tête en haut. Ça va le faire. Et si on faisait le chien tête en bas après le chien tête en haut? Et ici, vous allez agripper vos pointes de pied dans le sol et vous allez pousser les fesses au plafond. Alors, si vous avez la souplesse d'Anna, vous allez essayer de poser vos talons au sol. Si vous avez ma souplesse, vous n'y arriverez pas, c'est pas grave. On essaie de dessiner une pyramide. Ok, fléchissez les jambes avec les mains, marchez jusqu'à retrouver vos pointes de pied. Et lentement, déroulez votre dos. Ok, on peut se replacer ici. Le passe, étirement des jambes. Très important, hein? Dans une séance, une partie échauffement. Un corps de séance et le retour au calme pour replacer les muscles. Ok, relâchez le pied derrière. Ici, les hanches restent face à la télé. Allongez les bras et basculez ici, extension du dos. Ok, revenez et faites le même étirement de l'autre côté. Donc je rappelle le planning, ce soir, cours d'abdos fessiers à 18h30. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis, hein, à partager nos vidéos, notre planning. Plus on est de fous, plus on rit. Et vous pouvez aussi envoyer vos photos, hein, d'après la séance. Hein. Interdit d'envoyer les photos d'avant, hein. Bon, je vais voir, c'est les têtes après surtout. Hein. Allez, soufflez, relâchez en arrière, gardez la jambe arrière, ça vous va. Ok, revenez. Ici, ouvrez les mains sur le côté. Poussez les pouces vers le bas et allez chercher derrière. Relâchez les mains dans le dos, étirez. Pectoraux, ouvrez la poitrine, épaules basses, rapprochez vos omoplates. Ok, enlevez vos épaules. Pieds, assemblez ici, attrapez les mains derrière vos genoux et poussez. Aspirez le nombril et regardez-nous dans l'écran. On refait cet étirement une fois du dos. Attrapez les mains et comme on a ici, poussez le dos. Dos creux, mains sur les cuisses, aspirez le nombril vers le sol. Relâchez les épaules basses, éloignez les oreilles et lentement, déroulez votre dos. Étirez les muscles des triceps. Bon, mais j'espère que la séance vous a plu. Fiona, t'es toujours là? Oui. Anna, ça a été? Oui. Super. Et vous dans le salon, ça a été? J'ai pas entendu, ça a été? Ok. Allez, pour terminer, prenez le grand respiration, se charge l'énergie positive. Grandissez-vous, soufflez et relâchez à droite. Relâchez, déroulez. Bravo, super la team. Je vais checker. Fiona, Anna, on se retrouve ce soir pour notre abdos fessier. À 18h30, on va vraiment s'adapter à la situation. Hein, voilà, pour toujours vous maintenir des cours de qualité. Donc n'hésitez pas à partager et regarder notre planning. Merci la team, passez une bonne journée.